Bienvenue à cette édition d'information dont voici les titres. Panique généralisée au Nord Kivu, la population s'inquiète de la présence de rebelles du M23 à quelques kilomètres de la ville de Goma. La mission onusienne invite la population au calme et à ne pas céder aux provocations du M23, elle l'a dit ce mercredi au cours de sa vidéoconférence. La Banque mondiale attribue une faible cote à la RDC en matière de gouvernance. Cela dans son dernier rapport. Le gouvernement, par le truchement du ministre délégué aux Finances, fustige ce rapport et note que cette institution financière internationale ne dispose pas des données sur les efforts que déploie le gouvernement dans ce secteur. La RDC veut en finir avec la poliomyélite et pour y parvenir, une campagne de communication sur les journées de vaccination vient d'être donnée par le ministre des tutelles. Une innovation, la vaccination sera accompagnée de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Enfin, plusieurs routes et avenues de la ville de Kisangani retrouvent une peau neuve à la grande satisfaction de la population de cette ville. Pendant ces temps à Kinshasa et plus précisément dans la commune de Ndjili, la population invite le gouvernement provincial à réhabiliter les avenues pour une bonne circulation. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir, au Nord Kivu, on nous signale la présence de rebelles du M23 à quelques kilomètres de la ville de Goma. Pour en savoir plus, nous avons en ligne le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Bonsoir, monsieur le ministre. Nous apprenons que les rebelles du M23 sont à quelques kilomètres de la ville de Goma. Qu'en est-il exactement? Nous suivons les mouvements de provocation du M23 dans les environs de Kibati, à quelques 10 kilomètres du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Toutes les dispositions sont prises par les forces armées pour répondre à quelque agression que ce soit, comme cela a été le cas il y a quelques mois autour de Mutao. Il n'y a pas lieu de craindre outre mesure parce que notre armée est bien présente et bien avertie maintenant. Et quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour éviter le pire à la population face à cette barbarie de rebelles? Toutes les dispositions sont prises. Il est impossible que nous puissions les révéler au risque d'informer l'ennemi et de leur rendre la tâche plus facile. Merci, monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. À ce propos, justement, le porte-parole militaire de la mission onusienne a lui aussi, au cours de la vidéoconférence de ce mercredi, calmé les esprits de la population du Nord Kivu qui s'inquiète de cette présence du M23 à proximité de la ville de Goma. On écoute Félix Prosper Bass au micro de Marie Mboya. Je peux tout simplement vous dire que, effectivement, nous observons beaucoup de mouvements du M23 parce que depuis que nous sommes déployés dans la province du Nord Kivu et depuis que cette crise a été initiée par les éléments du M23, nous surveillons étroitement les déplacements du M23. Il y a beaucoup de mouvements ces temps-ci sur l'axe Kibati, Kiwanja. Je ne peux pas confirmer que le M23 a vraiment avancé ses positions. Mais vous savez, c'est une pratique quotidienne du M23 que d'observer ces mouvements de troupes qui partent d'un sens et qui reviennent de l'autre sens. Donc, effectivement, beaucoup de mouvements ont été observés, mais est-ce qu'ils ont avancé de 2 km? Je ne peux pas ici vous le certifier. Les informations que nous vous donnons, nous vous les donnons après en avoir certifié l'authenticité. Et je ne comprends pas quelle est la. Je ne préjuge pas de la crédibilité de vos sources, mais je suis vraiment surpris de savoir que vous affirmez de manière péremptoire que vos sources sont crédibles. Les sources sont variées, elles sont nombreuses, mais très souvent, je pense qu'il faudra vérifier les informations. Dans un communiqué publié mardi 2 juillet à Goma, le Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu demande l'accélération du processus de déploiement de la brigade d'intervention de la MONUSCO dans cette province. Selon ce document, la situation sécuritaire dans cette région reste caractérisée par l'activisme de plusieurs groupes armés opérant dans le 5 territoires que compte le Nord Kivu. À en croire le président provincial de la jeunesse du Nord Kivu, cet activisme prend même de l'ampleur tribalo-ethnique.
Revenons à Kinshasa pour vous dire que les échanges de tirs entendus hier au mardi à la prison centrale de Makala ainsi que l'opérationnalisation de la brigade d'intervention de la MONUSCO à l'est de la RDC sont là les deux sujets débattus à la vidéoconférence de la mission onusienne de ce mercredi. Le porte-parole militaire de la MONUSCO, Félix Prosper Bass, affirme qu'il n'y a pas eu de morts lors de ces échanges. Maria Mboya et Job Mpeke. La brigade d'intervention de la MONUSCO au Nord Kivu devient opérationnelle. Elle continue à déployer ses patrouilles intensives, aériennes, motorisées et à pied dans les régions de la province en vue de dominer le terrain et assurer la protection des populations civiles, comme l'affirme Félix Prosper Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO. C'est d'abord un mode d'action utilisé dans l'armée. Ça permet non seulement de dominer le terrain, mais d'avoir une présence effective sur le terrain, de recueillir, que ce soit dans ou autour de Goma, les patrouilles se font, les populations sont rassurées et les groupes armés se tiennent au loin justement de ces agglomérations urbaines. Donc voilà ce que nous... Quant à la mutinerie qui a éclaté à la prison centrale de Makala, le porte-parole militaire de la mission onusienne donne des précisions tout en affirmant qu'il n'y a eu aucune perte en vies humaines. J'ai bien dit qu'il n'y avait pas eu de victimes. Donc, ce qui a déclenché cet incident-là, je ne peux pas vous le dire avec précision, mais toujours est-il qu'il y a eu une opposition à cette activité que les autorités pénitentiaires voulaient mener et que les prisonniers se sont mutinés contre cette décision-là. Mais la situation a été contrôlée très rapidement par un renfort de troupes FRDC et de la police nationale congolaise. Et aujourd'hui, la situation est en train d'être suivie de très près par la MONUSCO. Comme annoncé il y a peu, Roger Miss a quitté définitivement la RDC après avoir été chef de la MONUSCO pendant 3 ans et son remplaçant Martin Kobler arrivera bientôt en République démocratique du Congo. Et cette situation qui était confuse hier mardi à la prison centrale de Makala a créé une panique généralisée dans les communes environnantes. Que s'est-il passé réellement dans cette maison carcérale de Kinshasa? Les autorités parlent d'un contrôle de routine pour récupérer les armes blanches détenus par les prisonniers. Mais les autres sources notent le mécontentement des prisonniers aux mesures prises à leur endroit par le nouveau responsable. Des mesures qu'ils qualifient des violations de leurs droits. Voilà qui relance le débat sur les conditions carcérales en RDC. Commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. Difficile de dire à l'heure actuelle avec certitude ce qui est à la base de cette tension. Mais des sources proches de cet établissement carcéral indiquent qu'il s'agit d'une révolte des détenus contre des mesures prises par l'actuel directeur de la prison. Des mesures que les détenus estiment qu'elles violent les droits des prisonniers. Des sources officielles parlent d'un simple contrôle des routines. Aucune balle n'a été tirée, selon elles. Seul le gaz lacrymogène a été utilisé. L'étonnant est que c'est pour la deuxième fois en l'espace de 2 semaines qu'un soulèvement des prisonniers est signalé à la prison centrale de Makala, avec de mêmes causes et mêmes réclamations. Plusieurs voix se sont élevées pour réclamer l'amélioration des conditions carcérales en République démocratique du Congo. Que ce soit des ONG de défense des droits de l'homme, que des détenus eux-mêmes, le constat est le même, nos prisons sont devenues des mouroirs. Il faudra, dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, militer pour une détention plus humaine, plus viable, réellement rééducative et entièrement correctionnelle en République démocratique du Congo. Des défis à relever sont énormes en ce qui concerne justement nos maisons carcérales, notamment la surpopulation. La capacité d'accueil dans tous les centres pénitentiaires congolais, surtout à Makala, laisse à désirer. Or, d'après les colonisateurs belges, chaque pavillon devrait contenir au total 300 personnes. Mais à ce jour, la prison centrale du Kinshasa est surpeuplée. Un autre défi, c'est la ration. Comment peut-on se contenter de nourrir 2 êtres humains chaque jour avec quelques grains de haricots mélangés au maïs? En plus de ce récurrent problème de nourriture des prisonniers, on peut noter l'insécurité qui règne à la prison centrale de Makala. Des experts estiment qu'elle est l'œuvre des prisonniers militaires condamnés à mort qui règnent sur les prisonniers civils. Le gouvernement devra donc accélérer le processus de délocalisation des prisonniers militaires à la prison militaire d'Indolo qui a été réfectionnée il y a peu.
Au vu des conditions déplorables de détention à la prison de Makala, il serait recommandable que le gouvernement, à travers son ministère de la Justice et des Droits humains, puisse humaniser ce site carcéral en améliorant les conditions de vie des prisonniers pour le respect de leurs droits. Dans un autre registre, le dernier rapport publié par la Banque mondiale démontre que cette institution financière internationale ne dispose pas des données sur les efforts que le gouvernement de la RDC fournit en matière de gouvernance. C'est l'analyse faite par le ministre délégué aux Finances lors de la réunion de suivi et d'évaluation sur la maximisation de recettes qui se tient chaque mercredi en son cabinet de travail. Doudou Ndombe. Mois de juillet, mois d'échéance fiscale, il est question pour Patrice Kitebi et tous les directeurs généraux des régies financières de peaufiner des stratégies pour améliorer davantage les recettes attendues par la DGI, surtout qu'au mois de mai, cette régie a connu une baisse considérable en matière de maximisation des recettes. Des mesures importantes sont prises pour cette fin. Et on est en train de déployer des missions de contrôle fiscal, dont certaines sont d'ailleurs faites conjointement entre la DGI et la DGDA, et ces missions commencent petit à petit aussi à donner des résultats et nous espérons pouvoir capitaliser à la fois le résultat des missions de contrôle fiscal, l'échéance du mois de juillet pour que la DGI reprenne un peu le niveau de sa performance. Au sujet du dernier rapport de la Banque mondiale sur la gouvernance, le ministre délégué émet tout simplement des doutes aux données avancées par cette institution financière internationale sur la RDC. Le doing business, la banque elle-même se remet en cause par rapport à sa propre méthodologie et à ses pratiques d'évaluation de cette notation de doing business. Donc, est-ce qu'il y a eu des points sur lesquels notre performance n'a pas été jugée satisfaisante pour que nous puissions avoir un vrai débat de fond sur cette question-là. Et nous avons aussi le droit de dire à des notations qui sont faites lorsque nous estimons qu'objectivement, elles ne correspondent pas à la réalité des efforts que nous avons fournis. À en croire les indicateurs macroéconomiques, le gouvernement soutient que le cadre est sur la bonne voie. Malgré la situation d'insécurité causée par les miliciens Mai Mai, Bakata Katanga et autres fauteurs de troubles, situation qui ralentit les efforts du gouvernement. Rendons-nous dans la province du Maniema où le Premier ministre a profité de son séjour pour présider une séance de travail préparatif avec les responsables de Baron Corporation. Objectif présenté d'ici à la fin de cette année, le premier d'or. Cette entreprise a rassuré Matata Pono sa capacité de produire chaque année 300 kg d'or par mois. La rencontre a eu lieu à l'hôtel du gouvernement provincial du Maniema. Doudou Ndombe pour le reportage. Le comité de gestion des Namoya Mining met à profit cette rencontre pour exposer ses problèmes au gouvernement. Le souhait de cette entreprise, une filiale des Baron Corporation, est d'étendre ses explorations dans d'autres gisements de la zone d'exploitation, ce qui implique la délocalisation des creuseurs artisanaux des sites concernés. Matata Pogno a promis d'apporter son soutien au secteur privé, considéré comme moteur de croissance et de la création des richesses en RDC. Le premier lingot sera produit probablement à la fin de cette année. Je ne peux pas dire si ce sera en novembre ou en décembre, mais ce sera produit à la fin de cette année 2013. Le Premier ministre vous a encouragé. Il a dit que s'il était là aujourd'hui, c'était justement pour montrer le support du gouvernement qu'il représente à l'entreprise privée en général et aujourd'hui à Baneron en particulier. Le Premier ministre ne manque pas de rappeler aux entreprises qui opèrent sur le territoire national l'obligation qu'elles ont de faire bénéficier à la population les fruits de leurs exploitations. À la province orientale, cette fois-ci, l'exécutif provincial a réhabilité des routes et avenues qui longent le rond-point du cinquantenaire et la mairie de la ville de Kisangani. La population de cette partie du pays se réjouit de l'effort fourni par le gouvernement dans ce secteur. Ces travaux ont été exécutés sur fonds propres de l'exécutif provincial. Suivez. Les usagers des artères principales de la ville de Kisangani peuvent désormais se frotter les mains. Le cinq chantiers prôné par le chef de l'État, le Raïs Joseph Kabila Kabangé, dans son volet infrastructure routière, est devenu une réalité à Kisangani. Du jour au jour, la voirie urbaine subit des transformations palpables. De l'avenue Abekaosé au rond-point du cinquantenaire, en passant par la Cadeco à la mairie, ces artères ont totalement changé de visage. Véhicules, motos, vélos et piétons n'ont plus de problèmes de circulation routière.
Ça fait belle lurette que Kisangani avait perdu son image, mais bientôt, nous commençons à voir petit à petit Kisangani reprendre son ancienne image. Dans l'abs du temps, le gouvernement Bamani est en œuvre, il a quand même des signes palpables par rapport aux années passées. Je dis aux jeunes de soutenir notre gouverneur, qu'il reste là. Aux utilisateurs d'en faire bon usage pour que les générations futures puissent également en bénéficier. À Kinshasa, la dégradation des routes a des conséquences considérables sur le transport en commun. C'est le cas de certaines avenues principales de la commune de Ndjili. Ces routes à intérêt provincial sont dans un état de délabrement très avancé. La population riveraine se pose la question pour, avec l'arrivée des nouveaux bus, les lignes prévues pour cette municipalité seront suspendues. C'est ainsi que la population de ce coin invite le gouvernorat de la ville de Kinshasa à prendre ses responsabilités. Christopher Amanda Jemima Mogo et Blanchard Kandolo. La population de la commune de Ndjili s'inquiète du niveau de la dégradation avancée des routes censées être réhabilitées par l'autorité provinciale. Il s'agit des avenues Mangobo, Sekomaf et l'arrêt Sainte-Thérèse. Avec la mise en circulation de ces nouveaux bus, il sera difficile que ces engins franchissent les quartiers ou les avenues dont l'état de délabrement ne semble pas préoccuper ceux qui ont la gestion de la ville. Ici, à Ndjili, il y a des petites lacunes, mais cela ne peut pas empêcher que les tarifs, quoi, les transports puissent arriver, les véhicules qui nous ont été promis par le gouvernement puissent arriver. Après quelques travaux de réhabilitation début 2011 sur la route Sekomaf, cette artère est restée dans les oubliettes. C'est là les acteurs qui sont allés à Kimbuta, du cimetière. Mais Sekomaf, en tout cas, on a un préparable. Dans ces principales artères de la commune de Ndjili, on retrouve des tronçons presque coupés, des bus cassés ou encore des nids de poules partout. La population riveraine ne cache pas sa colère. Ici à l'entrée Ndjili au quartier 1, il s'observe une grande différence entre le boulevard Lumumba, vêtu d'une nouvelle couche enrobée, et les trous qui jonchent l'avenue qui mène à la maison communale. Le mauvais état des routes est à la base de l'enclavement de cette contrée. Il suffit de voir les véhicules qui circulent dans ce coin de Kinshasa pour s'en rendre compte. Le gouvernement provincial doit agir vite. Dans le secteur de la santé, les ministres de tutelle annoncent le lancement de la campagne de communication sur les journées de vaccination afin de sensibiliser la population sur l'importance des vaccins. Au cours d'un point de presse ce mercredi à Kinshasa, Félix Kabangé a confirmé les deux buts de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, la supplémentation en vitamine A et mibendazole, ainsi que l'enregistrement des enfants à l'état civil. C'était à Fleuve Congo Hôtel, Rosa Wazi. C'est un coup de grâce dans la lutte contre la poliomyélite en RDC. Le gouvernement a mis tout en œuvre pour éradiquer cette maladie. Voilà qui justifie l'annonce par le ministre de la Santé publique du lancement de la campagne communicationnelle sur la vaccination contre la poliomyélite qui démarre la semaine prochaine sur toute l'étendue du pays. La campagne de vaccination qui va commencer du 11 au 13 juillet pour la première phase. Et la deuxième phase interviendra au mois d'août. Nous voulons qu'il n'y ait plus de virus d'importation et qu'il n'y ait plus du tout de virus, de poliovirus sauvage sur le territoire congolais. Ces journées de vaccination, contrairement à d'autres années, seront suivies de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Tout le monde est interpellé pour la réussite totale de cette campagne. Le rôle que nous avons tous, décideurs, prestataires, bénéficiaires, et vous, chers amis de la presse, à pouvoir passer ce message sur la vaccination. Car, comme nous le disons, vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger.
L'UNICEF, l'OMS et d'autres partenaires présents à cette cérémonie ont promis d'apporter leur soutien afin d'aider le gouvernement à atteindre son objectif, celui d'éradiquer la poliomyélite. Pendant ces temps à Kinshasa, les communicateurs sur les questions du genre, de nouveau à l'école du savoir, ils étaient encore nombreux à suivre des modules dispensés par les spécialistes de la question à l'initiative du bureau genre de la MONUSCO avec le soutien du ministère du genre, de la famille et de l'enfant. Les bénéficiaires de cette formation devraient être capables de restituer à travers une large sensibilisation des questions du genre dans notre pays. Les travaux ont eu lieu au studio Maman Ngebi de la RTNC, Jimmy Mamogo et Baby Malobo. Le ministère du genre, de la famille et de l'enfant et le bureau genre de la MONUSCO devraient à travers cet atelier de formation scruter les questions liées au genre. Cette activité s'inscrit pour la MONUSCO dans la droite ligne de mandat de protection des civils et le renforcement des capacités de ses partenaires. La RDC, qui ne cesse de fournir des efforts pour la promotion du genre, s'engage à améliorer la situation des femmes et des enfants dans notre pays. Charles-Antoine Bambara, directeur de la division information publique de la MONUSCO, revient sur quelques problèmes récurrents qui freinent la pleine application du genre en RDC. Que les abus sexuels de tout genre puissent perdurer, c'est une violence condamnable à l'égard des femmes et des filles congolaises, tout comme l'est d'ailleurs le recrutement des enfants soldats. Geneviève Inagosi, ministre de tutelle, insiste sur la sensibilisation et la prise en compte de la dimension genre à tout le niveau. Parce que c'est une question universelle. C'est une question universelle, c'est une question de culture, c'est une question de distribution de rôles selon les sexes. Donc c'est des questions qui peuvent donc changer après des sensibilisations ou encore avec une communication assidue. Le média est mis à contribution pour la promotion du genre. Parlons à présent du 4e Festival international pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel organisé en Chine le mois dernier où la RDC a pris une part active. La délégation congolaise conduite par la députée nationale Jolene Kenda a décroché des prix de tous ordres pour cette participation qui cimente les liens culturels avec plus de 80 pays du monde. Reportage. Déterminée à accompagner la culture congolaise, la députée nationale Jolene Kenda a été à la tête de la délégation culturelle nationale invitée au 4e Festival international sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cette grande fête culturelle s'est déroulée dans la province de Sichuan à Chengdu en Chine du 15 mai au 23 juin 2013. Avec l'appui de l'Alliance sino-congolaise pour le développement, les ballets nationaux de la République démocratique du Congo a porté haut l'étendue d'art du pays. Les Congolais ont fait montre d'un spectacle chorégraphique de haute facture pour une première participation. Parmi les 81 pays venus de tous les coins du globe, la RDC décroche un trophée et des diplômes de mérite. C'est une occasion pour nous de comprendre des différentes expressions culturelles vivantes à travers le monde. Nous avons pu faire plusieurs échanges culturels. Nous sommes bien défendus par rapport à notre ballet national. Entre la Chine et la RDC, c'est le vœu du renforcement des échanges culturels qui transparaît, affirme le chef de la délégation congolaise. Je crois qu'il revient à chaque État de veiller sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire pour que les générations futures s'en servent. Donc il faudrait que l'État puisse avoir un œil regardant plutôt sur ces genres de manifestations pour que nous puissions aussi profiter de ces échanges. En dehors de mille feux du spectacle, les séjours en Chine des Congolais a aussi été marqué par des détentes. Le 2 juillet, c'était hier, la clôture officielle de l'année scolaire, tout un symbole pour les élèves qui ont pris leurs vacances de 2 mois, selon le calendrier scolaire du ministre des tutelles. Mais cette clôture de l'année dépend d'une école à une autre. Francine Mayamba et Dieu merci Sueka ont fait les constats pour vous. Suivez. La date du DJE en RDC a toujours annoncé la proclamation et le début des vacances pour les élèves de l'école primaire et secondaire. À l'école primaire Saint-Jean, la cour était bien remplie d'élèves et sont les parents qui sont censés les accompagner pour signer les bulletins et se rendre compte du travail qu'ils ont réalisé durant toute l'année.
Pour Astrid Kibala et Marthe Lominga, toutes deux enseignantes à l'EPE 2 Saint-Jean, cette journée a perdu son sens en RDC. Ce n'est pas une proclamation puisque les parents ne se présentent même pas. Il n'y a que des enfants qui défilent par-ci, par-là, pour aller retirer leur bulletin. Ne garde même pas sa valeur. Pourquoi ? Il y a beaucoup de parents qui ne sont même pas en ordre pour les frais de leurs enfants. Et même ceux qui sont en ordre pour les frais ne se présentent même pas cette date-là pour les frais de leurs enfants. On pouvait lire la joie à travers les visages des élèves qui ont réussi et qui tenaient sans gêne leur bulletin en main. C'est le cas de Vianney Kani qui passe à la classe supérieure. J'ai réussi, j'ai passé la quatrième. J'ai fait 64%. Mais serré et presque inconsolable, Wabedi reprend la troisième année avec 45%. Il exprime son désarroi. Les élèves vont s'y reposer en attendant le mois de septembre prochain pour la rentrée scolaire 2013-2014. L'actualité continue et cette fois-ci, c'est avec les journaux parus ce mercredi à Kinshasa. C'est la revue de presse avec Rossine Martin Bouyamba. Coup de feu dans la prison centrale de Makala. Des journaux parus ce mercredi à Kinshasa, l'Avenir reprend la position de la ministre de la Justice. Selon Wivine Mumba, cité dans ce journal, il s'agissait d'une fouille afin de débarrasser la prison des armes blanches, rapporte le confrère. Parlant de la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, Le Phare décrypte le vrai message d'Obama à Kabila lors de son séjour dans les continents. Le président américain n'a pas joué un franc jeu avec le peuple congolais en omettant de citer nommément les deux voisins belliqueux coupables d'atteinte à son intégrité et à sa souveraineté, regrette le graphique. Voilà qui fait dire au potentiel que les pièges se multiplient pour découper la RD Congo. Le confrère analyse le processus de la décentralisation soutenu par des partenaires au développement. Cela rentre dans la stratégie de ces derniers, comprend le tabloïd, d'où une vigilance tous azimuts s'impose. Seul le peuple congolais, mobilisé et déterminé, peut déjouer ces pièges du malin, avertit le potentiel. Le palmarès, lui, voit le danger d'un San City bis face aux concertations nationales. Le confrère fait allusion à la réaction de l'opposition qui se résume sur ce papier en la réclamation d'un nouveau dialogue intercongolais. Des 200 bus de l'État qui devraient être mis en circulation, 23 seulement comptés par l'Observateur desservent deux lignes à Kinshasa. Le confrère, justement, qui semble détenir les raisons de cette situation, annonce que des artères de la capitale ne sont pas en bon état. En plus, Transco, la société, a décidé de servir d'abord les lignes pourvues d'abribus où les passagers peuvent attendre. Bonsoir. Merci Rossine Martin Bouyamba pour cette revue de presse. Ce communiqué, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructure, Travaux publics et Reconstruction et le Fonds national d'entretien routier, FONER, de la République démocratique du Congo, organisent du 4 au 6 juillet 2013 la 7e réunion du groupe focal Afrique centrale de l'association Fonds d'entretien routier africain en sigle AFERA, placé sous le thème « Le progrès des fonds d'entretien routier en sigle FER de l'Afrique centrale vers le FER de deuxième génération ». La cérémonie d'ouverture est prévue le jeudi 4 juillet 2013 à 8h au Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. Cordiale bienvenue à tous les invités. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Télé 7, la télé républicaine.